Bonjour à tous les abonnés. Donc là, c'est une petite vidéo astuce. Ah, astuce, petit glitch en fait sur BO3 en mode zombie. Personnellement, je pense aussi qu'on peut le faire en mode multi pour faire un peu ce qu'on veut. Alors, personnellement, c'est un glitch tout petit en vrai, vraiment. En ce moment, je suis en train de monter les. Comment dire? Ça. Alors, du coup, un petit truc, c'est que vous voyez, je n'ai pas. Clairement, vous voyez là le glitch, ça se voit vraiment beaucoup. Là, j'ai pas le truc lumière sur réticule, mais en fait, je l'ai malgré que j'ai pas fait les kills. Personnellement, vous voyez, j'ai pas ce réticule là. Le viseur avec recon, fait 5000 kills. Personnellement, voilà. Personnellement, je l'ai pas non plus sur le thermique. Vous pouvez voir là, j'ai pas fait les kills et pourtant, j'ai le truc. Personnellement, par exemple, si je veux mettre celui-là, le truc Gobblegum, donc du coup, faut que j'aille sur réflexe, faut que j'aille sur celui-là, fin, voilà, faut que j'aille sur le dernier et que je remette ça. Et du coup, voilà, c'est un petit glitch, petit, c'est pas très grand, mais bon, si vous voulez vous mettre ça, vous pouvez. Donc voilà, ensuite, du coup, on va continuer sur ça. Alors personnellement, j'ai pas celui-là. On va le prendre comme exemple parce que c'est le tout dernier, clairement. Voilà pour le multijoueur. Le marché noir, bah, je les ai tous en fait. Hein, j'ai vérifié tout à l'heure. C'est un peu dommage, mais bon. Bonus, ouais, bah, ça on s'en fout. Alors, en bonus, il n'y a rien celui-là. Oh, attendez. Attendez, j'ai une petite idée là. Celui-là. Attendez, celui-là. Attendez. Ah non, ça marche pas. Ça marche pas. Bon, donc, pour celui-là, je l'ai pas. Donc, du coup, je vais sélectionner réflexe. Multijoueur, je vais sélectionner celui-là que je veux. En fait, ça, c'est celui-là que je veux. Mais sur le viseur, l'autre, en fait. Donc, faut d'abord le sélectionner là-dessus. Vous mettez thermique. Et là, vous avez dans multijoueur. Et là, vous avez le réticule que vous voulez. Personnellement, c'est un tout petit glitch, donc voilà, vraiment un tout petit truc de merde, mais bon voilà, si bah voilà, si vous voulez en gros avoir le réticule, personnellement je pense que si vous sélectionnez l'arme comme moi en mode multijoueur et que vous voulez ce réticule là malgré que vous l'avez pas, vous sélectionnez un autre viseur et ensuite vous remettez celui-là et là vous avez le truc que vous voulez. Donc personnellement voilà, moi je veux par exemple, sur le recon, je veux celui-là. Je vais mettre celui-là. Ah, en multi, je les ai tous. Alors, personnellement, on va sélectionner Varix 3 parce que je viens juste de le terminer. Ok, voilà, j'ai bien sélectionné celui que je veux dans le recon. Et vous voyez, malgré que je ne l'ai pas fait, malgré que j'ai pas fait tous les kills nécessaires, j'ai quand même le réticule. Donc, voilà, c'est un tout petit glitch. Voilà, donc je sais pas du tout s'il a déjà été trouvé ou quoi ce glitch. Mais bon, voilà. Au moins vous voyez que bah voilà, je triche pas. Bah si un petit peu, mais voilà, c'est clairement ça. Si vous voulez faire ça, faites-le. Surtout, c'est une petite toute petite manipulation. Mais qui peut, voilà, qui peut rendre service. Par exemple, je veux celui-là aussi. Si je veux le mettre, on va faire l'exemple. Donc du coup, vu que j'ai terminé sur le Varix, je vais mettre ça. Hop, tac. Et là, vous voyez, j'ai celui-là. Malgré que je l'ai pas. Malgré que j'ai pas fait les kills nécessaires. Donc du coup, je vais remettre l'autre quand même. Tac. Parce que c'est ce que je veux. Ah mince. Ah mince. Non, pas ça. Putain. Excusez-moi pour le gros mot, mais bon, j'ai pas fait exprès. Hop, et voilà. Donc, personnellement, c'est une toute petite manip, mais qui fait plaisir, on va dire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Franchement, voilà, je fais des vidéos sur Need for Speed en ce moment, Need for Speed Payback. Il y a Black Ops 4 qui sort à la fin de l'année. Donc, pour l'instant, je sais pas du tout si je vais l'acheter. Personnellement, j'ai toutes les armes de Black Ops 3. Notamment le dernier sniper. Bon, personnellement, il fait plus de bruit qu'il ne tue, mais bon.
Ça c'est en simple, hein. Moi je joue qu'en domination hardcore la plupart du temps. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis bah bonne à tous, amusez-vous bien, salut tout le monde.